Bonjour Alicia. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On vous fait des gros bisous, on est content que vous soyez avec nous. Aujourd'hui on fait une vidéo, qu'est-ce qu'on fait, les copains, on va faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Les 10 mensonges que les parents font aux enfants. Oui, on va préparer un petit sketch. Vous allez voir tout de suite ça, avec les 10 mensonges que les parents font aux enfants. Alors bien sûr, c'est un petit sketch, c'est fait pour rigoler. Je sais qu'il y a des parents qui font pas ça, c'est exagéré, c'est juste pour rigoler. Vous allez voir, peut-être vous allez reconnaître des petits passages que vous avez déjà vécu, peut-être, je sais pas. Marquez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu un passage que vous allez voir dans le petit sketch qu'on a fait avec Alicia. Maintenant je vais vous laisser regarder, j'espère que ça va vous plaire. Mettez-nous un pouce bleu si ça vous plaît et abonnez-vous si ça vous plaît aussi, ça nous fera super plaisir, c'est notre petite récompense à nous. On vous laisse tout de suite, bon visionnage et rigolez bien. Alicia ! Alicia, faut manger tes épinards ! Non ! Pourtant, ils ont l'air bons ces épinards, pourquoi elle veut pas les manger ? En plus, quand on mange des épinards... Alicia, faut manger tes épinards, hein, comme ça t'auras plein de force, tu seras la plus forte de la classe. Où est-ce qu'elle se cache ? Elle se cache là ? Où est-ce que tu te caches ? Pourquoi tu te caches, Alicia ? Je veux pas voir ça ! Mais si, allez ! Y a une petite cuillère ! Non ! Une petite cuillère ! Allez, une petite cuillère ! Non ! Ah mais ça marche pas, allez, viens manger tes épinards. Viens manger tes épinards, Alicia. Où tu te caches? Alicia, tu veux pas être forte? Tu seras la plus forte de la classe. Mange tes épinards, c'est très bon. Ça pue. Mais non, ça pue pas. Allez, viens là. Là, viens là, petit bout. Où tu te caches? Tu te caches sous les lits, t'avais mis ça. Alicia, qu'est-ce que tu manges de nouveau? Un chewing-gum. Mais maman, pas manger de chewing-gum maintenant, on va manger bientôt. Qu'est-ce que ça fait le chewing-gum? C'est avalé. Il faut pas avaler les chewing-gums, Alicia, tu sais, autrement après, tu vas avoir le ventre qui va gonfler, qui va devenir tout gros. Moi, j'ai fait ça pas exprès, du avec des... Oui, t'as toujours des bonnes excuses, toi. Hein, autrement après, tu vas avoir le ventre qui va grossir, faut pas avaler les chewing-gums. Si. Non, on va pas les chewing-gums, on va être grand. Non, faut pas les avaler, faut les sortir de la bouche, les mettre dans un bout de papier et à la poubelle. Bon Alicia, tu viens, on va promener. Allez viens, mets tes chaussures, moi je suis déjà prêt, hein. Ça fait déjà 5 minutes que je t'attends, alors dépêche-toi. Ah, mais là tu trouves pas tes chaussures? Non. Écoute, si tu te dépêches pas, je te laisse à la maison tout seul. Hein. Qu'est-ce que tu cherches nouveau dans ton nez comme ça, Alicia? Rien. Tu sais qu'il faut pas mettre les doigts dans le nez. Les enfants, si tu te mets les enfants qui se mettent les doigts dans le nez après. Ils ont un tout gros nez quand ils deviennent adultes. Non. Faut pas faire. Tu fais plus maintenant, hein? Non. Non? Qu'est-ce que tu fais, Alicia? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit qu'il faut pas mettre les doigts dans les cheveux. Pourquoi? Après, tu vas avoir des pellicules si tu mets les doigts dans les cheveux tout le temps comme ça. Si tu joues toujours avec tes mains dans les cheveux, tu vas avoir des pellicules après. C'est quoi? Des pellicules, c'est des petits points blancs qui sont dans les cheveux. C'est très désagréable. Il faut plus mettre les doigts dans les cheveux. Oui. Ok? Qu'est-ce que tu fais, Alicia, avec tes yeux? Je t'ai dit qu'il faut pas faire ça, il faut pas loucher comme ça avec les yeux, autrement après tu vas avoir des lunettes. T'as envie de porter des lunettes toute ta vie après? Non. Alors arrête de loucher avec tes yeux comme ça. Hé,
Je t'ai dit d'arrêter. Je t'ai dit d'arrêter. Je t'ai dit d'arrêter. Alicia. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je joue avec ta nouvelle maison de Barbie. Oui. Et c'est l'heure d'aller au lit maintenant, hein? Non. Comment ça, non? C'est pas au lit. Mais il faut aller au lit maintenant, hein? Non. Papa, il est aussi très fatigué. Il va aussi aller au lit après, hein? Ok. On va au lit alors, hein? Qu'est-ce que c'est ce bruit là? Qu'est-ce que c'est ce bruit là? Qu'est-ce que tu fais, Alicia? Je marche. Qu'est-ce que c'est ces chaussures? C'est les chaussures à talons de la maman? Non, c'est les miens, moi j'ai aussi des talons. Non, mais les enfants ils doivent pas marcher avec des chaussures. Tu crois que la maman elle marchait avec des chaussures quand elle était petite? Oui. La maman elle m'a dit elle faisait pas ça quand elle était petite. Tu me crois pas? Bah si c'est la vérité, hein. Il faut me croire. Les papas ils mentent pas aux enfants. Hein. Bien sûr qu'ils mentent. Non. Si, t'as menti. Quand? T'as dit que ça allait. Bah alors Alicia, tu finis pas ton assiette? J'ai plus faim. Comment ça t'as plus faim? Faut toujours finir son assiette. Hein. Regarde, il reste encore un tout petit peu de pâte. Tu peux tout finir. Allez. Allez, tu finis l'assiette. Et puis après, comme ça, après, on va à la piscine, d'accord? Si tu finis ton assiette. Tu finis ton assiette et après, on va à la piscine. Si tu finis ton assiette, on va à la piscine. D'accord? Ben voilà, cette petite vidéo, les filles, copains. J'espère que ça vous a plu. Je vous redemande, comme au début, si vous avez déjà vécu un passage que vous avez vu dans le sketch, mettez-le moi en commentaire. Sur ce, on fait des gros bisous. Et ciao tout le monde! Ciao. On parle tout doucement parce qu'il y a Mélissa qui fait dodo à côté.